Salut à tous les Pooks, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous faire kiffer parce que je vais vous montrer toutes les meilleures astuces de Rainbow Six Siege en 2022. Mais genre vraiment les meilleures. Alors pour cette première astuce, on se retrouve sur consulat. Vous allez être en défense et ce qui va se passer, c'est que vous allez poser en fait les amis ici une espèce de caméra et bien blindée. Merci à mon abonné, c'est un esclave. Pensez au gros like les gars, à partager la vidéo et mettre un petit commentaire parce que ce que je vais vous montrer, vous allez et bien kiffer. Donc vous, ce qui va se passer en tant qu'attaquant, vous allez forcément rentrer et vouloir casser cette caméra, ce qui est logique, c'est vrai. Mais avant ça, la défense en fait vous aura tendu un sacré piège et vous allez voir pourquoi. Alors ce qui va se passer quand vous serez en défense, vous allez en fait casser la trappe avec n'importe quel explosif ou un pompe, on s'en fout. Et là où ça va être super important, c'est qu'avec Frost les amis, au préalable vous aurez mis en fait un piège en dessous et vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette technique de plot. Attendez, laissez-moi finir. Donc en fait vous placez un Frost ici les gars et après c'est à Azami de faire le job. Vas-y Azami, tu peux y aller, tu peux mettre ton petit kunai. Donc ensuite elle le met, elle en met aussi un deuxième. Donc là, elle a bien fait son petit travail, c'est bien. Et vous, en tant qu'attaquant, en fait, bah vous allez pas forcément faire attention à ça. Vous allez simplement vous dire que ça, c'est un Azami et que vous allez marcher dessus et que c'est pas très grave. Et c'est là où vous vous trompez parce que vous allez marcher dessus pour casser cette caméra. Et c'est là, en fait, où vous allez tomber à la trappe et sur le Frost. C'est une technique de plot, mais c'est une technique que si vous ne la connaissez pas, pour vous permettre de troller et faire un kill gratuit, ça peut marcher. Oubliez pas le like, les gars. Cette fois, cette astuce, elle est vraiment trop cheatée. Il y a très peu de gens qui la connaissent. Donc là, on est sur Oregon au niveau. Et bien du bas, dans le BP tout en bas. Là, généralement, vous avez soit un mute ou un bandit. Bon, après, généralement, il y a une rota, mais c'est pas la question. On s'en fout. Donc là, techniquement, je ne peux pas thermite le mur. Puisque quand tu vas te positionner derrière, tu as justement un mute qui te brouille l'accès ici. Ah, c'est toi le vilain mute. Et bah, ce qui va se passer, les gars, vous allez observer et ouvrir grand vos yeux parce que c'est un truc de ouf. En gros, quand vous mettez votre thermite comme ça, regardez bien, et bien ça va brouiller votre charge et vous ne pourrez pas la faire péter, ce qui est complètement logique. Mais si vous la reprenez et maintenant, regardez bien, et que vous la placez de cette façon exactement comme moi. Alors attention, vous la mettez là, comme ceci. Et bien là, à ce moment-là, votre charge n'est pas brouillée comme vous le voyez à l'écran. Et vous allez pouvoir faire exploser votre mur malgré le fait qu'il y ait un mute qui était placé juste ici et qui vient de se casser. Vous le voyez que je viens de le détruire à droite. Je vous ai pas menti, c'est une putain de masterclass. C'est surcheaté. Et ça marche quasiment, bah je crois, avec tous les murs. On passe à la suite. Bon, on est toujours sur Oregon. Et ici, vous avez un vilain bandit qui a mis ses petites batteries. Et vous avez, vous, envie de percer ce mur. Bah c'est très simple. C'est une technique vraiment trop simple. Ça, tout le monde la connaît, je pense. Mais je vous la montre pour ceux qui la connaissent pas. Vous allez au grenier juste là-haut ici. Vous mettez ensuite un thermite de cette façon. Et bah juste au-dessus. Mais en fait, ne faites pas comme moi, je viens de me fail. Mettez-le dans le sens de la longueur. Genre voilà, vous le mettez exactement comme ceci, ça ira très très bien. Vous le faites péter. Je vais mettre devant le mur bandit pour vous montrer que ça pète. Lui de béton, s'il fait le bandit trick, bah il va être niqué. Et regardez bien les gars, ça va être une masterclass. Bah là, le pauvre bandit, il pourra plus faire de banditerie, il pourra plus rien faire, parce que au-dessus de lui, il aura un gros trou, quoi, et on peut monter. Après, vous prenez un petit peu de dégâts, c'est vrai, mais c'est pas énorme, comme votre beat. Passons à la suite. Bon, là, ce que je vais vous montrer, c'est super simple. Vous faites vos murs renforcés au niveau d'Oregon, au top, et au préalable, ce que vous faites, c'est que vous mettez des petits coups de, soit de pompe, ou des trous, tout simplement, avec un pistolet, le deagle, ça ira très très bien. De manière, en fait, à voir cette petite boule jaune en bas. Pourquoi faire, les gars? Eh bien, tout simplement, pour pouvoir, en fait, faire un impact trick. Ça va vous permettre de counter, en fait, bah, tout ce qui est, Ace, Maverick, Ibana, etc. Parce que lui, quand il va lancer en fait ses Ace pour casser le mur, eh bien vous allez voir ce que ça va faire. Parce qu'avec vos grenades ensuite à percussion que vous allez placer sur cette petite boule jaune juste ici, quand vous allez les lancer vos boulettes, eh bien en fait ça va annuler et ça va casser, plutôt ça va casser, ouais, les charges de thermite, Ace, etc. Donc là, Ace va lancer. Voilà, c'est bon, il a lancé, vous avez vu. Et là, vous allez mettre votre impact trick et ça va casser le Ace. C'est une putain de masterclass parce qu'il pourra pas ouvrir les murs. C'est cadeau. On est toujours sur Oregon, c'est une petite technique celle-là qui peut marcher en fait. Quelquefois vous mettez un petit C4 placé comme ça dans l'espèce de meuble Ikea, voilà, vous mettez une petite cam Valkyrie et puis voilà, regardez bien, vous avez une petite vue sur le meuble Ikea. Généralement ça va vouloir aller thermite ou ace dans le petit coin là-bas, et quand vous avez un adversaire qui va rentrer sans forcément faire trop attention au meuble, il va entendre un C4 mais il va penser qu'il est en dessous, donc il va vite repartir, il va sortir, tu vois. Mais ce qui va se passer, c'est que quand il va droner, et bien en dessous il trouvera pas le C4, donc il va se dire que c'était un bug, j'en sais rien, il va revenir tranquille. Vous ferez exploser votre C4 quand il sera juste à côté, bah, du meuble les gars, comme ceci. Et voilà. Après, c'est bien d'être à deux pour que le collègue vous donne l'info, les mecs. C'est mieux. Là, c'est la dernière astuce sur Oregon que je vous montre. Vous montez sur l'espèce de petit, d'armoire. Vous mettez un maestro le plus haut possible. Vous le mettez, voilà, dans les étoiles. Ici, il ira très très bien, les gars. Et en gros, personne pourra vous le casser. Quand je vous dis personne, c'est vraiment personne. Parce que, tac, regarde, là, tu vas tomber. Comment tu vas mettre un coup de cut sur le maestro? À moins de monter sur le machin en tant qu'attaquant. Mais en vrai, quand t'es dans une phase d'action et que t'as des mecs de partout dans le BP et que toi, tu vas t'amuser à essayer de monter sur l'armoire, en plus, c'est un peu compliqué la manipulation. Faut viser un peu au milieu ici, les gars. Normalement, je vais essayer de le faire en même temps que vous. Vous avez vu qu'on peut sauter. Faut juste sauter au bon moment en fait. Vous avez vu? Ah, c'est chaud.
Voilà, comme ça. Mais en gros, un attaquant, pour qu'il fasse cette manipulation en plein rush, il pourra pas, il aura pas le temps. Donc admettons les gars, vous êtes tranquille sur votre caméra, voilà comme ça. Et il y a un mec qui passe ici. Il pourra jamais casser votre caméra, les mecs. Impossible. Il est trop petit pour la cam, c'est impossible. Et donc ensuite, vous aurez juste un petit peu le taser, tranquille. En plus, des fois, il y a des mecs qui vont se mettre à planter là-bas et vous aurez juste en fait, bah tranquille les gars, à lui taser un petit peu le trou de balle. C'est gratuit. Ok, donc là, une petite technique sur le littoral. Cassez cette trappe, les amis, au préalable. Et vous allez casser surtout la deuxième qui se situe dans le couloir. Hop, juste ici. Et ce qui va se passer en cassant les trappes, je vais pas vous apprendre que Oryx peut remonter aux trappes. Donc, ce que vous allez faire, c'est hop, vous descendez. Ensuite, vous allez vous agripper comme un petit singe à la trappe de cette façon et vous restez suspendu. Et en vrai, en face là-bas, vous avez une super vue sur les attaquants qui sont susceptibles d'arriver. Et je peux vous assurer que personne vous voit quand vous êtes suspendu. Et là, vous avez deux choix. Soit vous restez suspendu et vous donnez l'info à un collègue qui a un mec ici. Ou alors, les gars, vous descendez de la trappe, essayez de pas faire trop de bruit. Vous remontez après à cette trappe et vous allez arriver dans le dos de l'adversaire qui vous aura peut-être pas entendu. Vous arrivez tranquille, en sneaky, tout doucement, et vous lui baisez sa mère la reine des putes. Et là, techniquement, bah, elle est morte. On est toujours sur littoral, au niveau du penthouse, comme tu le vois. Avec Tonton Maestro, vous allez placer une caméra de cette façon. Alors attention, faut pas la mettre trop près d'ici et pas non plus trop loin. Faut trouver le juste milieu. On va essayer comme ça. Normalement, c'est peut-être bien. Non, là, elle est pas bien, les gars. Faut plus la décaler sur le côté gauche. Voilà, là, elle est super bien où je l'ai mise. Et cette caméra, en fait, elle va être incassable. Vous allez avoir la vue sur le couloir au fond, sur les mecs qui vont passer à gauche et surtout sur les adversaires. Voilà. Et ce qui est super intéressant, c'est que personne pourra la casser. Là, vous avez vu la caméra où je l'ai placée, les gars. Nomade, elle peut pas l'atteindre. Là, c'est le coup de crosse. Elle peut mettre des coups de crosse que jusqu'ici et pas sur ma caméra. Donc les gars, c'est une caméra masterclass celle-là. Même si elle se rapproche au fond et bien du 3 drone, elle pourra jamais casser votre caméra. Les seuls opérateurs qui pourront la casser, ce sera bah ceux qui ont des explosifs ou un truc comme ça. Mais personne ne pourra casser cette caméra s'il n'y a pas d'explosif. J'espère que tu kiffes. Toujours sur littoral, au niveau du sunrise, vous allez mettre un petit azami juste en haut de cette façon. Ce qui va vous permettre en fait, vous, si vous êtes positionné, bah admettons ici ou t'as envie, tu vas voir les agents qui vont rentrer à la porte. Là par exemple, tu vois qu'il y a des pieds. Mais lui, s'il reste debout, mais lui, admettons, il se trouve ici. Il va pas te voir. Par contre, s'il va s'allonger, là, il va te voir. Mais toi, tu l'auras shooté avant. Tu pourras largement shooter ses pieds. Je vais te montrer. Attends, regarde bien. H, elle va prendre ma place. Et moi, je vais me mettre dans sa POV. Là, vous avez vu que je ne la vois pas, les gars. Alors que elle, si elle veut, elle peut me tuer. Eh oui, les gars. Cet Azami, il fait super mal. Après, si je m'allonge, ok, je peux la voir. Mais elle m'aura déjà plombé, quoi. Franchement, cet Azami, il marchera tout le temps. Ensuite, nous avons une petite technique avec Goyo au niveau de ce BP sur le chalet. En fait, il va mettre une bonbonne, tu vois, ici de feu. Et tu dois te dire pourquoi. Bah, en fait, ce que Goyo va faire, c'est qu'il va placer une alarme dessus. Voilà. Il va l'acheter comme ça. Et moi, tu vois, je suis repéré, ça fait ding ding ding. Mais en gros, admettons, quand je vais rentrer, si j'ai pas droné ou j'en sais rien, je vais rentrer tac comme ça, il va y avoir l'alarme, je vais tirer et je vais me ramasser du feu. Et j'aurais perdu 60 HP. C'est une technique un peu pourrie, mais qui par moment peut passer. En fait, elle est bien, mais tout va dépendre en fait si vous dronez ou si vous rushez, si vous faites pas attention à l'alarme. Mais en tout cas, vous êtes obligé de casser l'alarme en tirant sur la bonbonne. Là, si tu veux, on peut le refaire pour que je te montre que je suis obligé de tirer sur l'alarme. Là, tu vois, ça sonne, t'es obligé de la casser l'alarme. Et même si tu mets un coup de crosse, ça va casser le machin. Et tu vas crever. C'est une technique qui va t'obliger à casser l'alarme. Donc sincèrement, bah moi je la trouve vraiment pas mal. Moi j'aime bien. Là ce que je vais vous montrer, c'est une technique de malade mental. Tu vas faire exactement comme moi. Tu vas mettre une maestro en bas là. Tu la mets exactement comme moi. Et maintenant je te montre au préalable ce qu'il faut que t'aies fait. Et tu vas comprendre. Tu vas dire ouais, je sais quoi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais vous allez dire waouh, mais il est trop intelligent ce mec. Votre BP, il est juste derrière ce mur. Ok. Vous allez casser juste un petit peu de sol comme ça, de cette façon. Ensuite en dessous les gars, vous allez casser un bout de sol. Situez-vous par rapport à ce canapé, vous cassez juste un petit peu là et vous retournez en dessous et vous restez avec votre caméra de maestro. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir empêcher Termite et Ace et bien d'ouvrir le mur. Mais regardez bien, c'est pas des bêtises. Tu te mets sur ta caméra et là t'as une vue d'ensemble gros sur le mur. Après, tu peux améliorer les trous, hein. Vraiment, tu peux faire un gros trou si t'as envie. Mais si Termite pose sa charge exactement de cette façon, eh ben comme tu le vois à l'écran, toi avec ton maestro, tu pourras la shooter. Regarde là, il a percé son Termite. Hop là, tu casses le Termite et c'est trop facile. Tu peux te faire un setup, tu demandes à Castle de te mettre des castles ici. Genre, vous tenez le bas avec vos collègues et il y a personne qui pourra ouvrir le mur principal de votre objectif. Ça, c'est une masterclass. Ensuite, hein, toujours sur chalet, les gars, vous allez mettre une grenade à percussion avec n'importe quel opérateur où j'ai mis le ping. Juste, et eh bien voilà, ici. Hein. Et en gros, ce ping va te permettre de voir les opérateurs qui vont passer à proximité du mur à Termite. Et eux vont pas te voir, en fait. Tu vois, c'est ça le délire. Regardez, vous les voyez passer. Là, admettons, il y a
Il y a un sledge. Lui, il pourra jamais te voir, le sledge. Mais toi, d'ici, tu pourras le shooter comme ça. C'est une masterclass. Sur banque aussi, avec tonton maestro, ce qui peut être intéressant, c'est vous planquer en fait une caméra de cette façon. Mais après, faut vraiment bien la planquer, les gars. Si vous arrivez bien à le faire et créer un effet de surprise, et que là, les gens qui passent SK bleu ne s'aperçoivent pas de votre caméra, là, tu vois, on la voit pas quand on passe comme ça. Et que là, vous avez, admettons, je sais pas, un thermite qui s'apprête à percer, bah, le mur, les mecs. Et bah, avec votre maestro, vous allez le déguster. Vous allez empêcher un thermite gratuit. Bah, après, c'est sûr, votre caméra, elle sera morte, les gars. C'est sûr. Certains, mais en vrai de vrai, Thermite il va être baisé parce qu'il aura pas fait gaffe qu'en fait à votre caméra là-bas. Sinon, après aussi, il y en a une qui est sympa, c'est vous la placez là, vous la placez juste ici, les gars, dans les cahiers, les classeurs, je sais pas ce que c'est. On la voit pas du tout, enfin très très peu. Et pour la casser, c'est dur comme ma bite. Donc là, admettons que ça perce le mur pour le coup, ça va percer le mur et après peut-être ça va tenter, tu vois, bah une plante, c'est logique. Généralement, il y a souvent des plantes là. Et admettons qu'avec Thermite, bah c'est ce qui se passe. Avec votre caméra, vous pourrez empêcher une plante de manière safe et c'est trop bien. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une véritable masterclass. Ouvrez bien vos yeux, les mecs. Regardez l'objectif, on est sur parc d'attractions. Regardez bien et dites-moi s'il n'y a pas un truc qui vous choque. Je vous laisse un petit peu observer. Tranquille, regardez. Vous avez toujours pas trouvé? Non? Et si jamais vous regardez un petit peu plus en bas, là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si je vous disais que ça, c'était un Frost caché et que Madame Frost a un pouvoir magique? Vous me croyez? Je vais vous montrer la manipulation. Ne bougez pas. Alors pour ce faire, c'est très très simple, mais ça va marcher que sur certaines surfaces. Par exemple, là tu vois, je suis sur Villa, tu fais un trou dans le sol et tu poses ton Frost, ça va marcher. Tu vois, ça va rendre ton Frost invisible. Mais par exemple, je sais pas, si tu le fais ici comme j'ai pu le faire au préalable, petit trou, là ça ne marchera pas. Faut tester un petit peu de partout, les gars. Mais vous avez vu que ici ça marche. Donc la manipulation, vous mettez un coup de crosse et ensuite vous mettez votre Frost et vous le posez dessus. C'est aussi simple que bonjour. Et maintenant, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller tester tout ça en classé, voir si on peut s'amuser contre des vrais joueurs. Bon, les copains, c'est de la totale impro. Là. On va tester un petit peu tout, n'importe quoi. Voir si on peut découvrir des techniques. Et en défense là, oh putain littoral, on va pouvoir tester tonton maestro, après ça va être trop bien. Mais ce genre de vidéo, je trouve que c'est les meilleurs. En vrai de vrai, il y a trop de trucs à apprendre. Et c'est bien de pouvoir aider un petit peu les gens. Après je me prétends pas être le plus fort, hein, vous me connaissez. Mais c'est quand même sympa de pouvoir aider les gens. Oh, je l'ai dégusté. Oh, je les encule, genre vraiment. Salut Alibi, tu passes une bonne journée. Et c'est là-bas avec Oryx ce que je vous disais, les gars. On le voit pas s'il est suspendu à sa trappe. Oh, ça va être une masterclass après. En défense, on va se régaler. Oh, oh le bâtard, qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh, oh attends, ils se sont mis penthouse, ça va être parfait. J'espère qu'ils ont pris un mute, les gars. Comme ça, je vais vous montrer que le mute, ça va servir à rien avec Thermite. Je sais pas si c'est un bug avec mute en vrai, mais je crois qu'il a été nerfé. Hein. Après, peut-être que je dis une connerie, mais c'est bizarre de pouvoir Thermite un mur qui a été au préalable muté. C'est particulier. Bon, maintenant, faut pas que je meure, les gars. Faut que je me rende ici. C'est notre mission d'aller au penthouse. Et vous allez voir que le karma va être contre moi. Je vais mourir comme une merde. Et j'ai pas envie de mourir comme une merde. Ok, Finca, je te drone si tu veux, mon ami. Apparemment, il y a personne. Oh, en plus, les gars, ils ont fermé la fenêtre. Oh, ça va être une tuerie. Je vais pouvoir être tranquille pour Thermite. Et ouais les gars, il a placé un mute derrière. Je peux péter le machin. Mais la tête de ma mère, c'est surcheaté. C'est un bug ou ça se passe comment? Oh, elle est pas morte. Non non, faut arrêter là. Ah ouais, c'est chaud ma gueule. Elle aurait dû crever, je suis choqué. Oh non. Ah putain. Et là les gars, au niveau de la cuisine, s'il renforce ces murs là, moi normalement au top avec Thermite, je peux casser. Je vais essayer de vous montrer. Il y a plein de techniques à faire en vrai, c'est trop bien. Bon, après c'est vrai qu'on est en train de perdre 2-0, mais mes alliés ils sont en 0 kill les gars. Alors je sais plus exactement où c'est, mais je crois que c'est au niveau du penthouse. Faut aller percer par le dessus les gars. Alors on va percer par le dessus, on y va, let's go. Non, il y a cette salope. J'ai jamais de chance, j'ai jamais de timing. Mais elle me tire pas dessus, la putain de sa sœur, la brésilienne, la pute, là, Kenbit, à la place de la schneck. Ah, depuis tout à l'heure, moi, je voulais venir sur cette carte juste pour tester ça. Mais après, ce qu'on peut faire aussi, attends, c'est mettre une caméra ici, les gars, regardez bien, attends. Genre, on casse la trappe, et là, comment ils font les attaquants pour la casser? Ils peuvent pas? C'est pas mal. Ouais, c'est une bonne caméra, ça. Ah, tu vois, j'en ai trouvé une. Donc, on va se mettre celle-là, les gars. Non, bah là, c'est vraiment le feu, celle-là, je vous jure. Parce que cette caméra me donnera l'info sur les mecs qui vont arriver rappel. Et celle-là, pour les mecs couloir. Franchement, elle est vraiment bien. Oh, ça rentre en plus la vie de ma mère, les gars. C'est des fous. Il va se mettre sa grenade tout seul, regarde. Ça va exploser. Alors lui gros, ah, y a un marron. Oh mais c'est pas en faux le mur, j'ai pas vu. Oh misère de jouer avec des randoms les gars. C'est pas la chose la plus simple. Oh, je veux tester mes caméras. Laissez-moi jouer avec mes caméras. Voilà, laisse-moi te taser. Oui, oui, comme ça. Oh, je suis tout seul. Oh bah merde. Derrière moi, oui. Ils ont pas en faux les murs. Qu'est-ce qu'ils ont fait mes alliés? Ouais, je sais quoi ça. Les gars, ils ont fait. Ils ont. J'ai pas les mots. Faites les murs, les plots là. Moi, faut que j'aille faire mon setup vite, vite, vite. Donc, les gars, vous faites comme ça là. Et puis, au niveau du canapé, pareil. Vous faites un trou, vous cassez la trappe. Et ensuite, vous placez une Evil Eye de cette façon. Après, faut espérer bien sûr qu'il passe là. Putain, hein. Y'a un petit bout qui me gêne là. Ah, le bout de bois. Putain, c'est bon. Et après, faut que je tienne bon en bas. Et voilà, après, ça serait bien d'avoir un castle quoi. Après, vous avez même pas forcément besoin d'Evil Eye. Hein. Vous pouvez juste tirer au pire. Ok, y'a un mec, vous l'avez vu. Let's go, on peut l'avoir. Oh, il met un fus, les gars. Ah là, j'ai eu un shoot de plot. Quand je casse son fus, c'est bon. Putain, j'ai eu un shoot, les gars, des enfers, sa mère. Là,
Let's go, c'est bon, on l'a eu. Je vous le dis, c'est une technique de ouf, ça. Une technique de fou furieux, les frérots. 3v1, le dernier, il est en train de droner, nous, on recharge tranquillou. En vrai, on est super bien, il pourra jamais nous tuer. Je crois qu'il est rentré, c'est encore un fuse. Ouais, il est là. C'est bon, les gars, vous avez vu comme c'est cheaté ou pas? Quand je vous montre une technique, je vous montre pas de la merde, les gars. Je vous montre que des trucs qui marchent. Et là, ils doivent m'insulter en face. Mais c'est pas grave, j'ai été plus fort que vous. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Mira, les gars? C'est quoi ça? Oh, la tête de moi. Oh bon, nous, faut qu'on aille là-haut. Et là, ça risque d'être un très bon spot. Mais va falloir être précis niveau shoot. Parce qu'au niveau de la fenêtre de tir, oh ouais, va falloir, putain, bien shooter quand on voit son crâne. Faut pas se louper en vrai. Après, ça marche seulement, les mecs, quand il y a un mec qui va montrer sa tête, hein, ce qui est logique. Bah ouais, forcément, ça va pusher, les gars. Je sais pas ce qu'elle a fait, Mira, elle a fait un truc de zub. Il va falloir rattraper sa connerie. Et en vrai, il y a un truc, les gars. Si vous savez pas jouer un agent, ne le jouez pas. Ne faites pas de la merde. Il est juste à ma gauche, je crois. Hein. Il est là, le bâtard, non? Ah non, mais je l'entends juste à gauche. Mais je l'entendais pas ici, wesh. Ah, ça casse les couilles, les bugs de son, frère. La tête de ma mère, je l'entends pas là. Oh, ce que je lui ai mis, wesh. Oh, le pauvre. Maestro, c'est un sacré agent, quand même, hein, les gars. Franchement. Vas-y, push-moi, j'ai une batteuse, gros. Mais il est con. Il est trop con de pusher, gros. Oh, je me sens tellement serein avec ton maestro. Et là, j'espère, les gars, qu'ils se sont mis au top. Comme ça, je prends Termite, je vous montre un truc. Vous allez dire, wesh. S'ils se sont mis au top, regardez bien. Prenez Termite, les mecs, comme d'hab. C'est l'un des OP, c'est à chaque fois, en fait, qui fait des masterclass. Ok, parfait, ils sont en haut. Et ce que vous allez faire, c'est super simple, les gars. Si, admettons, il y a un mute derrière. Je sais pas si on a, on va voir ça. Déjà, faut savoir s'il y a un mec. Apparemment, il y a personne, ok. Vous placez un Termite, les gars, juste en dessous, comme ça. Vous l'activez, ah, regardez bien. Qu'il y a un mute, un bandit, un caïd, ça va casser le mur. Enfin, un petit bout, quoi. Voilà, vous avez vu? C'est pas mal. Ça vous permet, en fait, de trouer tous les murs n'importe comment. Tu vois, ils peuvent rien faire maintenant. Quoi? Oh, on va pusher, les gars. Et c'est parti. Oh, la vitesse à laquelle on vient de prendre le site, c'est affolant, là. Let's go. Let's go. Je l'ai eu. Ouais, au bac. Bien joué, les gars. On les a soulevés, là. Bah, ça, c'était une super belle game. Allez, les gars, on va essayer de faire l'impact trick. Faut que ça mette un Termite ou un Ace. Et dès que ça met un Termite ou un Ace, bah, moi, je lance sur le truc jaune, et voilà. Eh, mais ça push, là. Ça push déjà ici. Tu vas me dire qu'il y a personne qui veut ouvrir le mur, là? Mais non, ils ont décidé de passer ici, les frères. Et au bac aussi. Attends, on va se faire soulever, là. Ah, voilà, c'est la mort assurée. On l'a eu, y'a un mec contact là. Elle n'est point morte. Oh, elle va me timer une grue. Y'a un mec là. Let's go, on l'a eu. Viens là, Finca Batos, voilà. Ah, je suis déçu, je pensais qu'ils auraient ouvert le mur, les gars. J'aurais fait mon petit impact trick et ça, bah, ça aurait marché. Allez, bah écoutez, on se barricade tranquille. Hein. Azami, pour ceux qui savent pas encore, c'est un opérateur, elle est tellement polyvalente. C'est l'un des OP récents qui est le meilleur en vrai. Putain, il reste 30 secondes, le mec il est en 1v2, il drone, gros. Allez, viens planter, ma couille, viens. Ah, c'est Kali, après je comprends qu'elle drone en vrai. Enfin, c'est triste, hein, les gens en 2022, ils jouent le ratio. Ils viennent même pas jouer les duels, enfin. C'est dommage. Ah ouais, Kaïd, attends les gars, faut que je vous montre un truc de fou là. Je crois que c'est en mettant un Kaïd ici, si je vous dis pas de conneries, je crois que c'est là, ouais. Ça va électrifier un mur en dessous, vous allez voir. Ah, il me semble que c'est ici, si je dis pas de conneries. Peut-être que je me trompe. Je vais vite aller vérifier en bas, je vais vous montrer le mur, lequel c'est. Ah ouais, c'est bon. Je crois que ça a marché, attends. Ouais, c'est ce mur là. Ah bah ils ont fait une rota, merde, j'avais pas vu. En vrai, vaut mieux fermer les gars, nique sa mère. Hein. Voilà, comme ça je vois que mes murs, ils ont bien été électrifiés. Et comme ça, mes abonnés, ils pensent pas que je suis un mytho. Parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je suis un mytho. Dans ton cul, Jackal. Et là, en vrai, ils la trouveront pas, hein. Non, je pensais pas qu'elle était déjà ici, sa mère. Alors les gars, ils se sont mis au top. Et ça, je vous avouerai que ça m'intéresse beaucoup parce que je vais vous montrer un truc avec Termite. J'espère qu'ils ont un mute, les gars, et vous montrer que ça marche. Est-ce qu'il y a un mute? Ah, il n'y a pas de mute. On va faire comme on peut, surtout au shoot, les gars. Ça va être bien, là. Oh, elle est venue dans mon viseur. Ah, c'est qui m'a tiré dessus, là? C'est Lyon? J'ai pas compris, wesh. Je crois pas, hein. Non, c'est lui, wesh. Ah, je l'ai mis à terre? Je crois, hein. Le dernier, il est là. Ah, non, il a volé mon kill. Fumier. Et je les mets tous à terre, c'est quoi ce délire, wesh? Oh non, mais ils sont tous là. Allez, on passe à une nouvelle game. J'espère que vous kiffez, les gars. Ah, on est retombé sur Oregon, putain. En vrai, ça va, je l'aime bien. Du coup, je vais vous montrer Termite. En plus, il y a un bandit en face, parfait. Allez, c'est parti. Attention, c'est open, ça veut dire que le mec qui m'attend, t'auras beau m'attendre, gros. Je vais te niquer tes ancêtres. Et la petite flash qui va ricocher normalement, c'est bon. Hop, je t'en remets une dans le doute. Et là, t'es flashé. Et t'es mort. Oh là là, c'était Warden. Bon, je vous montre avec Termite, les gars, comment ça va marcher. Vous le mettez en mode diagonale, exactement comme ceci. Faites attention de pas toucher le truc électrique, sinon ça casse votre Termite. Hein. Et là, regardez bien, les gars. Oh, oh, oh. Ça fait un petit trou. Et ça met une très belle pression aux dispensaires. Après, tu peux casser le bandit si t'as envie. Hop. Oh non, mais c'est un allié, putain de sa mère. On va retenter de faire exactement la même chose. Ça a marché une fois, pourquoi ça marcherait pas deux fois? Allez, on y va. Cette fois, il y a personne, il a compris que je l'avais bouffé le trou de balle. Allez les frérots, on refait pareil. Oh non, je l'entends même pas rusher, c'est quoi ce bug de son? Mais je l'entends même pas. Ah mais il y a des trucs les gars, vas-y, c'est trop. Il me prend pour un con, il a fait un espèce de trou dans la porte pour sortir direct. Il m'a pris pour un con lui. Tiens, mais nique ta mère, Warden! Attention au capcan. Il y en a un au bac, vous avez vu? Je vais taper une plante. J'espère que j'ai une cover, les gars. En tout cas, la technique, elle marche vraiment du feu. Elle marche du fuego. Let's go!
Oh, je l'ai tué en étant flashé, wesh. Je l'avais entendu rusher, mais je pensais pas qu'il était si près, sa mère. Là, vous connaissez, vous faites vos petits trous ici pour l'impact trick, les gars. De manière à voir l'espèce de lampadaire. Ouais, c'est un petit peu de préparation avec le deagle. Hein. Là, c'est bon, vous voyez l'espèce de boulette jaune, et c'est nickel. En fait, là, vous avez juste à attendre qu'il y ait un ace ou un termite ou une ibona. Enfin, t'as capté quoi. Ah, mais ils ont pas décidé de termite le mur ou quoi. Ah, si, enfin, let's go. Et là, regardez bien, les gars. Hop là, ça casse le truc. Il est en train d'en remettre une. Et moi aussi, je remets une boulette. Et voilà. Ah, c'est cheaté, les mecs. Hein. Ah non, mais sincèrement, c'est vraiment cheaté, les gars. Ah, je suis en 1v2. Let's go. J'ai deux mecs sur moi, c'est chaud, c'est chaud. Let's go, il en reste plus qu'un. Oh, maintenant que t'es tout seul, viens m'affronter. J'attends une chose, c'est qu'il plante, les gars. Let's go. Voilà, je peux vous remontrer le frost de tout à l'heure que j'ai fait. Voilà, il est parfait celui-là. Oh, franchement, il est incroyable ce frost, les gars. Je sais pas si on peut le mettre là. Attends, je vais essayer. En vrai, si rush loop joue. Ah, ça marche, mais à moitié, vous avez vu. Ah, c'est dommage, le petit bout. Bah, c'est pas grave. Si rush loop joue comme des gars qui vont planter et qui font pas attention qu'il y a des frosts invisibles, les gars. La tête de moi, c'est une tuerie. Attends, j'ai mal mis le. Voilà le micro. Oh, Thunderbird, coucou. Oh, Frost, c'est la GOAT, les gars. Attends, je peux même pas les laisser rusher sur les Frost. Je suis déjà en train de trop les baiser, je suis con. Ok, 2v3, ça serait bien qu'il y en ait un qui se ramasse mon Frost, les frères. Ok, il y a Ying qui est en train de pusher, elle a mis des fumées, on les voit, on dirait un prout. Je te jure, on dirait un prout. Ah, il y en a qui a pris un Frost. J'ai entendu le shtunk. Mais c'est quel shtunk qu'il a eu derrière moi? Oui, let's go. Il y en a là-bas, là-bas aussi. Non, il y en avait deux, j'ai failli les faire. Il y en a qui a pris le Frost, les gars, ça a marché. Après, est-ce que ça marche sur ce genre de truc? Ah non, ça a pas l'air de marcher là. Mais pourquoi il casse le truc lui? Vas-y gros. Ouais, sur ce tapis bleu, enfin je sais pas si c'est un tapis, je sais pas ce que c'est. Ça m'a. Ah, quoique ça peut marcher. Attends, on va réessayer. Vite fait. En vrai, ça peut marcher. Non, ça marche pas sur celui-là. On essaye les gars, tranquille, on a rien à perdre. Hein. On perd un petit peu de temps. Ouais, non, ça marche pas du tout. Oh! Vas-y, mets ta fumée, rentre, vas-y, il y a un frost. Allez, vas-y. Eh, ils prennent trop de balles, les gars. Franchement, c'est indécent. Le nombre de balles qu'ils prennent, gros, ça me choque le trou de balles. Oh, la grenade, y a pas de Jäger, y a pas de Wamba, y a rien. C'est la dèche, les gars, c'est la dèche. Oh mais gros, mais je suis fatigué de leur mettre trop de balles comme ça là. Mais regarde gros, je les touche tous. Oh, il a tué H. Est-ce que sur le tapis rouge ça marche? Pourquoi il s'était TK? Je comprends pas. C'est toi qui as TK, Libé? Oh, mais pourquoi j'ai un tirelier déjà activé moi les gars? Je comprends pas. À chaque fois que je commence une game, j'ai un cône. Ah mais je sais pourquoi. Parce que l'autre fois il y avait un toxique, je l'avais tué à toutes les manches. Ah ouais gros. Du coup ils m'ont mis un cône. Avec Termite en vrai il y a un truc à tester au niveau du train. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vais vous montrer. Attends. On va se faire tuer surtout. Vas-y Oza, casse la porte, vas-y. Allez. Putain, trop cône frère. Eh ouais, trop cône. Putain. Ça sort dehors, frère. Mais c'est quoi ça? Attends, je vais vous montrer un truc avec Kermit. Je peux pas parce que mes alliés ils sont cons, gros. Faut juste que je me débarrasse du mec qui est caché là. Je vois son petit crâne dépasser. La petite flash qui va ricocher. Oh, bah non, elle ricoche pas. Bah oui, hein. Bien évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, je vais me faire enculer, les gars. Je pense que si je joue en groupe de 5, je serai le joueur le plus fort de Rainbow Six. Bon, peut-être que j'abuse un petit peu. Mais je joue en solo avec des alliés pareils. Oh, carrément, je souffle, les gars. Je souffle. Non, mais dis-moi pas qu'il est pas à terre là. C'est en train de me casser les couilles. Non, mais les gars, je mets trop de balles. Qu'est-ce qu'elles ont, mes balles? C'est du polystyrène? Oh, enfin! Mais les gars, je vous jure que je mets trop de balles! Bah, quoi qu'il en soit, les gars, je pense qu'aujourd'hui, je vous aurais montré quand même pas mal de trucs. Je pensais que c'était un bonhomme qui l'aurait. Qui sera allé au bout de son action. Mais non, c'est une fiotte, c'est une petite tapette, les gars! Oh, l'autre, il met des smokes! Oh, mais c'est des animaux! C'est 4, mais la tête de moi, ils veulent ma peau dans les fougères vite! Ce sont des êtres sanguinaires 4v2, c'est bien ça, allez! Non, il y a un frost! Oh putain, il manquait une balle! Bien joué, les collègues! Bien, bien ça! J'espère que cette vidéo astuce vous aura fait plaisir, les copains, les ploucs! Et puis, je vous dis à très bientôt, et bien pour une prochaine vidéo! Ciao, les ploucs!